Toute la semaine, c'est Antoine du restaurant Beaupré à Nancy qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On s'occupe de la troisième recette de cette semaine avec donc des asperges blanches, toujours d'autres villes, même producteur. Et qu'est-ce que tu nous proposes avec ça? Alors, un peu dans la même veine que ce qu'on a pu faire avec les asperges vertes, là, on va les cuire en croûte avec du foin. Ah, super. Voilà. On va les parfumer au foin. C'est ça. Donc, ça une pâte juste avec de la farine et de l'eau. Oui. On fait tourner au robot. On étale. On va mettre une couche de foin. Mm-hmm. Alors après, ce qu'on peut faire, on aurait pu aussi mettre le foin, incorporer le foin dans la pâte. D'accord, hein, pour parfumer ta pâte. Pour parfumer la pâte. Et après, on le fait à l'envie avec les herbes du moment. Hein. Mm. Là, j'ai mis du foin. On peut mettre du thym, du basilic pour avoir des parfums un peu plus méridionaux. Mm, d'accord. Mais voilà, moi, j'ai choisi un peu la rusticité avec le foin. Et donc, tu vas les accompagner comment? Avec quoi tes asperges? Donc là, on va faire des pommes dauphines après. Et donc, on a un filet mignon. D'accord. Donc, deux cochons. Ah, super. Avec une petite sauce. Qui a été au préalable mariné dans un mélange avec du lait, de la pâte de miso et du miel. Donc là, tu refermes bien. Et un peu du vinaigre. Là, on referme. Il faut une température assez élevée quand même pour que ça puisse venir figer la pâte, oui, que ça coagule rapidement, que ça fasse une croûte rapidement. Et en plus, sous l'action de la température élevée, les asperges, l'eau qui est à l'intérieur va s'évaporer. Et ça va venir cuire. Leur permettre de cuire. En cycle clos. Tu mets, là je vois ton four, il est à 240 et donc pendant combien de temps là? Là il est à 240, on va partir sur un petit quart d'heure. D'accord, ouais. 15 minutes. Ok, donc ça part. Ça part. Une fois qu'elles seront cuites, une fois que le temps sera écoulé, on va les laisser reposer un petit peu. Mmh. Elles vont continuer à cuire tranquillement. Donc ça c'est bon, on s'occupe de quoi ensuite? Là ensuite on va faire les pommes dauphines. Donc, tu as fait chauffer du beurre? Beurre, eau, sel. D'accord. Donc là, une fois que notre mélange est à ébullition, on y met la farine en une seule fois. Oui. Hein, donc, c'est une base de pâte à choux, c'est ce qu'on appelle la panade, dans laquelle on vient incorporer, on a cuit au préalable des pommes de terre en robe des champs, donc avec la peau au four. Ensuite, on vient les passer au tamis. D'accord. Pour avoir une pulpe qui est lisse. Et tu vas associer cette pâte à choux avec les pommes de terre et ça fera ta pomme dauphine. C'est ça. Là, on le retire du feu. D'accord. Et on va la terminer Au batteur. Alors moi, ce que je vais faire, tourner un tout petit peu au préalable ma pâte. Oui. Pour la refroidir un petit peu. D'accord. Et seulement après, on ajoutera les œufs. Pour pas que les œufs coagulent. Oui. Et après, on ajoutera les œufs. Et là, on est parti. Donc, tu vas mélanger un petit peu tranquillement. Oui, l'idée, c'est de faire baisser la température, tout simplement. Donc là, maintenant, on va incorporer les œufs. Donc, pour notre recette, 3 œufs, petit à petit. D'accord, l'un après l'autre. Voilà, en fait, attendre que l'œuf précédent soit incorporé avant de mettre le suivant. Mm-hmm. Hop, et dès que c'est bon, hop, on ajoute le deuxième. Et c'est pareil, ça va s'assécher après et donc se densifier avec les pommes de terre. C'est ça. Mm. Faut pas que la pulpe soit trop humide. Donc en fait, c'est pour ça qu'on les cuit en robe des champs. Si on les cuisait pas qu'elles se gorgent d'eau. Si on les cuisait à l'eau, ça fausserait la recette. Mm. Alors normalement, il y a une technique pour voir si la pâte à choux est réussie. En pâtisserie, normalement, si elle est réussie, si elle a la bonne texture. En fait, tu prends un peu de pâte à choux et tu la lèves. D'accord. Et tu vois la texture du pic. Si le pic reste, c'est qu'elle est... Ça manque d'œuf. D'accord. Donc on peut en rajouter. Si le pic retombe, il est bien. D'accord. Après, il y a une autre technique qui consiste à faire un sillon dans la pâte et à voir à laquelle vitesse elle se referme. Mais ça équivaut au même. Là, on est bien en texture. Là, on est bien. On va rajouter la pulpe de pomme de terre. On va rajouter la pulpe de patate. Tu es parti sur quelle variété de pomme de terre? C'est de la Charlotte, là. D'accord. Et hop, tu vas remélanger l'ensemble. On remélange. Donc là, on va terminer la pâte. Elle est quasiment finie. On va donc l'assaisonner. Et on enchaînera sur la cuisson de la viande. C'est ça. Et on cuit ensuite nos pommes dauphines. C'est ça. Et puis là, je pense qu'après, on sera quasiment synchro. Parce que la petite sauce cochon, tu l'as déjà préparée. Le jus de cochon, il a déjà été fait. Ça nécessite un peu de travail. Donc après, on mange. Ouf. She may be young, but she only
C'est top. C'est top parce qu'effectivement, tu as ce goût d'asperges. Alors moi, j'ai l'habitude de les manger, les déguster avec une cuisson à l'anglaise. Et là, tu sens vraiment l'asperge, donc c'est excellent. Et tu as quand même ce côté rustique avec le foin, quoi, qui fonctionne très bien et donc qui matche très, très bien avec le cochon, tout naturellement, quoi. Mmh. Voilà, non, l'association foin-cochon. Non, c'est une belle recette à tester à la maison, quoi. Non, c'est top. Prochain plat, ça sera le dessert, on commence. Prochain hein, plat, tu nous proposes deux desserts d'affilée. Deux desserts, ouais, avec une tarte feuilletée à la fraise. Ok. Voilà, c'est un peu des surprises.